le beau cerisier! Mais elles sont où les cerises? Mais Julie, tu sais bien qu'il faut plusieurs semaines pour que les fleurs se transforment en fruits. Regarde. Ça alors? Pourquoi une fleur donne-t-elle un fruit et pas l'autre? Pour avoir un fruit? Mais non, il vaut mieux que Grégoire et son ami te montrent. Bon alors, regarde bien. Les pétales, les sépales, les étamines avec à leur extrémité les grains de pollen qui sont les organes mâles de la fleur. Et le pistil, l'organe femelle de la fleur qui contient l'ovule. Pour qu'une plante à fleurs puisse avoir des fruits, le grain de pollen doit rencontrer l'ovule. Mais comment font-ils pour se rencontrer? Pistil et étamines sont loin l'un de l'autre. Ah, ça c'est... Ah non, l'abeille! Les cerises, c'est pour moi! Rassure-toi, Julie, les abeilles préfèrent le nectar. Le nectar. La fleur en produit pour l'attirer. Et comme notre abeille est insatiable, elle passe de fleur en fleur et transporte le pollen accroché sur son dos. Pour le déposer sur le pistil d'une autre fleur qu'elle pollinise. Génial! Et comme toutes les abeilles travaillent ensemble, c'est presque toutes les fleurs du cerisier qui sont fécondées et donnent des cerises en quelques semaines. Merci les abeilles! Grégoire, tu m'en cueilles un plein arrosoir, s'il te plaît? Il n'y a pas que les abeilles. Le vent et même d'autres insectes font ce travail de pollinisation. Waouh! Merci, Grégoire.